membre de la chaîne DDFO. Salut, ça va? Moi ça va nickel. Eh hey, Dédé, un frelon. Où ça, où ça? Les perdants auront forcément un gage. Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Vous vous demandez qu'est-ce que j'ai sur la tête? Mais en fait, j'ai fait une vidéo chez un pote. On a fait un pari, j'ai perdu. Donc je dois mettre ça sur toute une intervention. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a ça. Donc là, on est sur un nid de frelons asiatiques, tout petit nid de frelons asiatiques qui n'est pas normal. On est au mois d'octobre, c'est pas normal qu'il y ait ça. Mais je vais vous le montrer. Alors, vous allez peut-être pas le voir, mais il est juste là. Donc je vais mettre l'échelle, je vais aller traiter ça. Et voilà, donc je suis un peu ridicule, mais c'est un pari, et des frelons, quand il perd un pari, ben, il le fait. Allez, je m'habille et je vous dis à de suite. Allez, c'est parti pour le combat. Bon, mat et fat, je l'ai mis. Vous avez vu, je l'ai mis. Voilà. Bon, j'étais obligé de le scotcher un peu, parce que ça tient pas avec la combi. Donc allez, on va aller traiter ce nid de frelons. Alors j'ai une petite chose aussi pour certains abonnés qui me laissent un commentaire que mon échelle est en envers. Je vous assure que mon échelle n'est pas du tout en envers. C'est ce sens qu'il faut le mettre. Ce qui est marqué sur la notice. Après, je vous en veux pas, hein. C'est normal. Hein. Vous pensez à ma sécurité avant tout, c'est vraiment très très bien. Allez, on va aller traiter ça. Vous allez le voir. Et je suis joli avec mes antennes. Hein. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un tout petit nid de frelons asiatiques. On est au mois d'octobre. Ben, c'est pas du tout normal d'avoir ça. Sauf qu'il est très mal placé. Vous voyez, il est juste là. Petite fenêtre à côté. Donc pourquoi il y a un petit nid? C'est la grande question. Donc c'est la grande question. Est-ce que c'est une évolution du frelon, ou est-ce que c'est un nid qui a été enlevé? Alors, on est sur la commune du Foga, donc le Foga, normalement, il travaille avec moi, donc ça peut pas être une autre société qui a fait ça. Donc peut-être un particulier qui a eu un nid chez lui, qui l'a traité avec des bombes. Ces fameuses bombes. Allez, on va faire une petite intervention. On va mettre du produit. C'est une petite attaque de pas grand chose. Hein. Et vous avez les autres frelons qui arrivent. Hein. Et c'est bien. Oh, Dédé Frelon, il a des antennes maintenant. Il fait partie de la famille peut-être. Donc c'est un bon petit déguisement. Voilà, c'était une petite vidéo rapide pour vous montrer qu'il y a encore des tout petits nids en mois d'octobre. Surtout, c'est parce que j'ai perdu ce petit pari. Donc je vous invite à aller voir leur vidéo. Je la mettrai à la fin de la vidéo, je la mettrai. Vous pouvez cliquer dessus ou sinon dans la description, ça sera marqué. Pas de commentaires au niveau des antennes, s'il vous plaît. Des commentaires positifs. Un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt les Dédés.